Voilà, merci. Nous défendons depuis juillet 2021 le principe d'une vaccination obligatoire pour les adultes, une règle claire qui oblige l'État. Nous affirmons que le vaccin est la seule voie pour se protéger des risques graves de la pandémie et préserver une capacité de soins dans les hôpitaux. Le pass vaccinal est considéré comme un dispositif poursuivant l'objectif de vaccination. Il recueille en cela l'adhésion d'une partie d'entre nous. Il manque, selon nous, une organisation pour aller chercher les plus éloignés des soins et des mesures de tests massives en plus de la vaccination. Des questions de nature constitutionnelle se posent sur le contrôle d'identité par des personnes privées, sur le dispositif du repentir pour les fraudeurs et sur un pass sanitaire pour les réunions politiques. Au final, le groupe se retrouve sur l'objectif de vaccination, mais pas toujours sur les moyens, sur l'objectif de ne pas fracturer la société et de ne pas considérer les non-vaccinés comme nos ennemis, et enfin sur la volonté d'épargner la jeunesse d'un protocole pouvant la priver des activités sportives et culturelles. Dans ces circonstances, à ce stade de la première lecture, les membres du groupe socialiste et apparenté se positionnent avec une liberté de vote assumée, reflétée à l'article 1er.